Salut à tous, c'est KickPyro38, le youtubeur KickPyro38 vous fait un message important parce que aujourd'hui j'ai reçu un commentaire d'une personne sur YouTube. J'ai reçu un commentaire, il commence à m'insulter sur ma chaîne YouTube, il critique mes vidéos. Alors s'il vous plaît, je vous demande à tous d'arrêter parce que j'essaye de faire des vidéos de mieux en mieux et vous me critiquez, je reçois des commentaires de votre part assez méchants. Alors je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît, je vous demande très très gentiment d'arrêter parce que ça commence à me saouler un peu. Et parce que j'arrête pas de supprimer des commentaires méchants sur ma chaîne YouTube. Alors s'il vous plaît, je vous demande de partager cette vidéo à tous vos abonnés et je vous demande de plus recommencer parce que là, ça n'est super marre de recevoir des vidéos. Des abonnés, je reçois les commentaires des abonnés en me disant la vidéo trop nulle, vidéo pas bonne qualité. Alors s'il vous plaît, pas d'insultes dans la vidéo, pas d'insultes sur la chaîne KickPyro38, pas de moquerie, ou sinon je peux vous faire des moqueries, c'est pas besoin. Moi, je vous fais des vidéos sympas et vous critiquez. Je comprends pas pourquoi vous critiquez. Vous êtes salaud de mes vidéos ou quoi? Je sais pas pourquoi vous critiquez mes vidéos. J'essaie de mieux en mieux de faire des vidéos. Si les vidéos qui vous intéressent pas, alors pourquoi vous êtes abonné à ma chaîne YouTube? S'il y a des vidéos qui ne vous intéressent pas, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne YouTube. Pourquoi se reçoit petit à petit des messages avec des commentaires qui m'insultent? Alors, je ne comprends pas. Je dois arrêter ma chaîne YouTube ou je dois recommencer à nouveau mes vidéos? Là, il faut que quelqu'un m'explique là, parce que je reçois des commentaires petit à petit. Hein, je reçois pas tous les jours les mêmes commentaires, mais ça commence à me saouler parce que là, je m'exprime bien en vidéo. Je fais des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos et vous critiquez les vidéos. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, je vous demande de partir de ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas d'accord. Alors, pourquoi vous critiquez mes vidéos? Je comprends pas pourquoi vous critiquez mes vidéos. Vous pouvez critiquer les autres vidéos, mais pas les miens. Alors, je vous demande juste d'arrêter de critiquer mes vidéos. Je vous demande de partager ces vidéos. Partagez cette vidéo où je suis en train de tourner la vidéo. Quand elle est finie, je vous invite à partager les vidéos, cette vidéo autour de vous et à ne plus jamais critiquer parce que j'aime bien mes vidéos, je fais des vidéos de qualité et vous critiquez mes vidéos. Alors, ça commence à en avoir marre maintenant. Alors, je vous demande d'arrêter aussi. Je demande à quelques abonnés, il faut arrêter de la moquerie, la méchanceté, l'insulte et c'est trop pas sympa avec moi. Moi, si peux rien, moi, j'essaie de vous faire plaisir en faisant les vidéos. J'essaie de vous faire plaisir et vous l'insulter. Alors,
Vous m'insultez alors qu'est-ce que vous foutez sur ma chaîne YouTube si vous n'avez pas envie de voir mes vidéos? Alors, je vous invite à partager la vidéo et à communiquer ma vidéo à vos amis, à vos abonnés, à vos proches, à votre famille et tout. Parce que ça sert à rien de critiquer. Moi aussi, je peux critiquer votre vidéo. Si vous avez une chaîne YouTube, moi aussi, je peux critiquer votre chaîne YouTube. Alors, arrêtez de vous demander. S'il vous plaît, arrêtez de critiquer quand je sors une vidéo sur ma chaîne YouTube. Arrêtez. Kick Piro 38 n'en peut plus. Alors, arrêtez de critiquer ma chaîne YouTube. C'est comme si vous avez une chaîne YouTube et vous la critiquez. Alors, ça sert à quoi de la faire alors? Alors, je vous demande à toutes les personnes de faire attention à ce que vous marquez sur comme abonné sur un commentaire. Je vous demande de faire attention à ce que vous écrivez en commentaire sur la chaîne YouTube Kick Piro 38. Et sinon, de supprimer ma chaîne YouTube. Ça sert à rien que ce soit méchant avec vous. Ça sert à rien. Moi, je suis pas méchant avec vous. Alors pourquoi pourquoi se reçoit des abonnés en disant votre vidéo il est mal tourné, moche, l'insulte, alors tu dois faire quoi? Se supprime ma chaîne YouTube, se supprime l'application YouTube, se fait quoi? Se supprime la plateforme YouTube, se supprime toutes mes vidéos, se fait quoi alors? Alors, se vous dit de plus recommencer aux abonnés et n'hésitez pas à, si vous avez des abonnés, si vous avez des commentaires méchants, et vous pouvez les supprimer, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que moi aussi, je peux vous moquer de vous, alors, soyez tolérant, merci. Merci. Sinon, je recommence la vidéo. Pas de moqueries, pas d'insultes et pas de méchants être avec moi parce que moi, je tourne bien avec vous et je suis super content de faire des vidéos de qualité pour mes abonnés. Alors, soyez gentils avec moi. Moi, je ne vous ai rien fait. Alors, soyez super sympa, s'il vous plaît. Merci. C'est pas la première fois que je vous dis ça. Alors, soyez sympa. Soyez sympa. Merci. Merci. Soyez sympa. Et j'espère de pas me refaire une vidéo en disant ça. Merci.